Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Call of Duty Infinite Warfare et c'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on s'est laissé ici. Paris pour le lancement. Bien reçu. Retour à la base. Ah, ok, on doit retourner à la base. Système de lancement enclenché. En route. Allumage. Accélération normale. Retribution, démarrage. Bien reçu, démarrage de la séquence de lancement. Le Retribution passe les 9000 pieds. Propulseur. Compris. 25 000, on passe en bac à 1,5. Le radar détecte une structure. C'est l'Olympus. Oh, merde. Oh, mon Dieu. Le capitaine est touché. Décroche, décroche. Ça répond pas. Allez, allez. Manœuvre d'esquive. Bon, bordel. Alimentation auxiliaire annulée. Commande manuelle réactivée. C'est revenu. Revenez sur le Retribution, maniez-vous. Qu'est-ce que vous croyez pour faut qu'on saute? Compris. Oh, le plot twist. La dernière fois, j'ai dit qu'il allait avoir un plot twist. J'essaie. Non, je peux y arriver. Ethan? Retribution, décrochage! Repliez-vous! Signature multiple en approche! What the fuck? Quittez la zone de combat tout de suite! Non, pas question qu'on t'abandonne! Guettant, sautez, c'est un ordre! Compris! On reviendra, yes, tu m'entends? On te retrouvera! Bon vent, ils sont 41. Capitaine, votre combinaison. Elle a pris un coup dans le cockpit. Bras gauche déchiré. C'est préoccupant. Regardez à droite! 16% d'oxygène! Ethan, fais quelque chose! Ça ne s'arrête pas. Que dois-je faire? Laisse tomber, Ethan. Je ne peux pas. Vous êtes mon commandant. Ma mission, capitaine, c'est vous. Qui décide? Je ne suis que du matériel. Totalement remplaçable. Non, non, non. T'es mon frère, Ethan. Votre frère robot qui parle. Affirmatif. C'est moi, le plus sexy, alors. What the fuck? Bien sûr. On dirait bien que c'est la fin du voyage, camarade. Je crois que j'ai peur, capitaine. Moi aussi. Restez avec moi. Capitaine. Ethan, t'as quelque chose? T'es remplaçable comme tu l'as dit, non? Mais t'es mon frère! Mais fais quelque chose! Ah! Ne me dites pas que je vais mourir. Mon cœur bat, je l'ai entendu. Capitaine, vous m'entendez? Capitaine Reyes. C'est bon, il se réveille. C'est bien, Maclure. Allez, ouvrez les yeux. Je suis le capitaine Ferran du Tigris. Le pouls se stabilise. Gazométrie normale. C'est Bryant Ling, médecin en chef du Tigris. Où est Ethan? Je suis là, monsieur. Vous êtes à bord d'une navette de mon vaisseau. Je vous ramène au Retribution. Mes hommes, mon vaisseau. Le Retribution est en bonne main. Relevez-le. Il est là, dans toute sa gloire belliqueuse. Qui vous a appelé? Le lieutenant Solter, elle a demandé une équipe de secours. Au vu de la situation, l'amiral a jugé que c'était trop risqué. Reins a refusé le sauvetage. La guerre est aveugle, Reyes. Mes motivations sont peut-être égoïstes, mais je n'ai pas l'intention de combattre seul. J'ai déployé un pilote et deux guetteurs qui ont rejoint votre dernière position connue. Comment avez-vous compensé la vitesse radiale? Grâce à l'attraction et à la chance. Enfin, nous avons dû forcer les bras d'Ethan, gelés autour de vous. Il vous a protégé jusqu'au bout. Un grand courage, Ethan. Mais une grande frayeur, capitaine. Tu es très modeste. Ok, dans 5 secondes. Merci, Ferran. Vous nous avez sauvé la vie. Nous sommes une équipe de deux, vous et moi. On ne peut pas se permettre 50% de pertes. Bienvenue au Bercail. Quel sens du devoir hors du commun? Un risque calculé, lieutenant. Je retourne au Tigris maintenant. On a du travail. Prenez soin de lui.
S'il vous plaît, capitaine, je suis grand et responsable. Ethan, va voir Mac pour un check-up complet. Et vous, capitaine? Ne t'en fais pas pour moi. Vous ne m'en empêcherez pas. Salt, j'ai appris ce que... T'es prêt? Toujours. Ton équipage t'attend, capitaine. Pourquoi on ne nous a pas montré comment on m'a sauvé? J'aurais bien voulu voir ça! Ok, c'est bon, c'est correct, on y va! Ok, boss! Merci! Capitaine au poste! Capitaine, l'amiral Renz est en ligne. Renman, perd pas de temps. Renman, voyons donc. Est-ce que tu fais référence au connexion. Film? Passerelle bouclée. Capitaine Reyes, ça fait plaisir de vous revoir. Avant toute chose, j'ai un briefing confidentiel à vous présenter. Rejoignez-moi dans votre bureau. Oui, chef. Officier, connectez la transmission de l'amiral au bureau du capitaine. Ok, je le connecte. Allez, c'est bon, on y va. Je viens tout juste d'échapper à la mort et je dois encore travailler. Mon salaire est de 15$ de l'heure, j'espère. Parce que si c'est 12$ de l'heure, moi j'accepte pas ça. Voyons dans cette overtime. On a du nouveau sur le saboteur de Lattice. Notre équipe a effectué une expertise médico-légale de notre détenu du SEPTEF, nommé Ria. On a découvert un appareil implanté dans le prisonnier. C'est un transpondeur. Il est en train d'émettre. Et il envoie quel message? Déchiffrage en cours. En attendant, j'ai briefé le lieutenant Salter à propos d'un sujet qui requiert votre attention. La guerre se poursuit, capitaine. L'échec n'est pas une option. Terminé. Wow. Fin de la connexion sécurisée, capitaine. Merci, officier. Tu peux consulter d'autres rapports plus détaillés sur ton terminal, Reyes. On peut choisir la prochaine mission. Ok. L'arme stratégique à jour est disponible quand vous serez prêt. Je suis prêt. Le Tigris lève les voiles. Bon vol, Ferran, et bonne chance. À vous aussi, capitaine Reyes. Alors, où va-t-on aller cette fois-ci? Le commandement stratégique nous a attribué une nouvelle mission au voisinage de Mercure. Une opération RR est aussi disponible. Ok, c'est bon. Mais là, parce que si je fais ces missions, c'est pas vraiment des missions principales, hein. Ce sont des missions secondaires. Et ce sont des missions à la Star Wars. Alors, devrais-je les faire? Il y en a beaucoup. Bon, je crois que vous avez compris la chanson. Alors, nous allons compléter cette mission. Let's go! C'est vrai que bon, si je fais les... Voilà Vesta 3, colonie minière. Elle nous fournit en matières premières pour reconstruire la flotte. Rien n'a été livré aujourd'hui. Autour de 18h, Vesta a cessé d'émettre. Nous n'avons pas réussi à les contacter depuis. Qu'est-ce qu'ils ont comme sécurité? Des robots. Ils protègent le complexe. On doit découvrir ce qui s'est passé, puis en informer l'amiral immédiatement. Reconnaissance. C'est un job facile. J'en suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a? L'astéroïde n'a rien à faire là. Il a manifestement dévié de son orbite naturelle. J'ai un tracé des radiations. Ça nous mène où? Droit vers le soleil. Distance? Juste au-delà des limites opérationnelles. Il tiendra notre équipement? Si les réparations ne lâchent pas, je peux m'introduire. On n'a qu'à tenter le coup. Vendu. Préparez-vous à sauter. Oh oh, t'es sérieux? Alerte, poste de saut. Alarme de collision. Moteur paré. Tout est prêt. En route. Allez-y, Gator. Saut dans 3, 2, 1. C'est bon! S'il te plaît, tiens bon! Eta? Résistance de la coque basse. Ça tiendra! Les radiations augmentent! Tout en douceur! Voilà la sortie! Sortie dans 3, 2, 1! Détruisez, polarisez les vitres! Compris! Marge d'erreur à 1/100. Bravo! Waouh! Ok! L'astéroïde, Gator! Mes calculs croisaient sa trajectoire. Vesta 3 doit être... juste là. Je confirme. Vesta 3 dans l'axe de l'étrave. Adoptez sa vitesse. On suit son parcours. Sensationnel, Gator. Bon travail, tout le monde. Bosco, good job. Dites à Omar d'emmener son équipe sur le pont d'envol. Gator, préparez un Raven. Je vous laisse les commandes. Salt, avec moi. C'est parti. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pouvais compléter les autres missions pour obtenir des améliorations ici et là. Comment tu te sens, quel est le chiffre officiel, Salt? De quoi? L'assaut de l'Olympus, on a combien de pertes? 16 hommes. Ah.
Mais ce n'est pas si important que ça. On peut se débrouiller sans ça. C'est jamais facile. Allez, au boulot, viens. Ça fait mal au cœur. 16 hommes de perdu. Oh, voyons donc. Salut, boss. La patronne est passée me voir. Elle est en train de vous concocter un petit cadeau. Ah oui, pour vrai. Visez-moi ça. DACA. Drone d'acquisition de cible automatique. Quatrième génération. Vous tirez, il tire aussi. Mac est dans son élément. Merci, Mac. Que des espaces restreints et accidentés sur Vesta. Les nouveaux DACA de Mac peuvent nous donner l'avantage. Honnêtement, je ne sais pas quelle arme prendre, alors je vais juste prendre ce qui est recommandé. Ok, voilà. Je croiserai sans doute des robots mineurs. Ça pourrait servir. Ça vous sera bien utile. Beaucoup d'armes. Ok, un drone qui tire quand je tire. C'est magnifique. Je veux l'avoir tout de suite. Ben, je sais que je l'ai sur moi, mais comment je veux l'utiliser tout de suite. Il a pu dévier tant que ça. Allons chercher la réponse. On n'est pas franchement des astronomes. On emmène la patronne? Je vote non. Okay. Chef! Qu'est-ce qu'un pilote dirait sous des trompes d'eau? Dites-moi! J'ai noyé le moteur! Mettez près dessus, lieutenant! Votre Raven est sur l'air 2. Le sergent-chef et ses hommes vous attendent. Merci, chef. Les éruptions vont détraquer vos instruments. Surtout, revenez en un seul morceau. Pas de soucis, chef. C'est quoi de la rigolade? Faut pas dire pas de soucis, chef. On sait jamais ce qui peut se passer, hein? Comme j'ai passé... Comme j'ai presque... Quoi? C'est pas bon, merde. Ah, ok, c'est eux qui niaissent. C'est bon. Donc, j'ai presque... failli mourir? Voyons donc! Rien ne vous arrête, vous. Bien aussi. Vous allez bien? Je tiens debout, sergent-chef. J'espère bien. Et Ethan? Mac le révise pour le combat. Il est costaud. Waouh! Il adore vraiment Ethan maintenant. Amène-toi. Lieutenant Solter, feu vert. Lancement dans 3, 2, 1. On part. À portée dans 30 secondes. Surveille toutes les fréquences en cas d'appel de détresse. Oui. Radio OK. Aucun marine ne s'en était approché, c'est certain. Vous avez entendu, lieutenant? On établit un nouveau record. Taisez-vous, Cash. C'est un ordre. Rotation de l'astéroïde fluctuante. On n'est pas loin d'une minute. C'est 100 fois plus rapide que la normale. Jette un œil du côté jour. Degrés au soleil. Putain, merde. Conduis-nous à l'abri. Compris. On a un signal. Non, personne n'a pu survivre à ça. On n'en sait rien. Le complexe est cramé. On revient à la base et on avertit Renz. Trouve un endroit où atterrir. Je le déconseille vivement. Sergent-chef, c'est à vous de choisir la mission, et non l'inverse. On se pose à la surface. Mission de sauvetage. Compris. Et un hangar droit devant. À l'intérieur, on sera à l'abri du soleil. Vas-y. Ok, je descends. Les boosters, en route. 480 degrés. Yo, tu veux devenir du poulet? What the hell? Je veux pas devenir du poulet, Général Tao, voyons donc. Oh, oh, oh. Oh, ça me tente tellement de prendre un ennemi de le jeter au soleil. 480 degrés. Waouh. Oh, ça va être... Oh, ça va être... Allons sauver ces civils, capitaine. Je commence à virer fou, hein. Le groupe pourra avoir de graves conséquences. Restez ensemble. Évitez le soleil. Bien reçu. On trouvera ces civils morts ou vifs. D'habitude, les adultes nous disent « Allez prendre de l'air, allez jouer dehors au soleil !» Maintenant, on nous dit « Non, ne faites pas ça !» Et c'est dangereux! À Kimbo style! Non, 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 on va prendre ceci! C'est là que je vois l'entrée! Oh putain! Le courant de la station va et vient avec le soleil! Le générateur doit être harmonisé! On la lumière, on flambe! Ouais, le prochain cycle nocturne arrive d'une seconde à l'autre. On doit rester dans l'ombre, c'est le seul moyen. Sol, t'as raison. Les panneaux solaires de l'autre côté devraient nous protéger. Voilà le créneau. Préparez-vous! Oh, allez! Ah, dépêchez-vous!
Je ne veux pas crever. Wouhou! What the fuck? Je ne me bats pas contre les humains maintenant. Je me bats contre le soleil et les astéroïdes. Oh, oh, oh mon dieu. Wouhou! Est-ce que quelqu'un a passé? Les générateurs sont cuits, ils tiennent plus la charge. On a du courant en plein jour et le noir total autrement. Restez vigilants, profitez de la situation. C'est fini. Dans ton état. Il s'est fait cuire! A dû avoir le temps de s'abriter. Il est complètement tué. J'ai repéré une structure de grande taille. Faut juste qu'on atteigne le sas. Le soleil se couche. On y va. Allez, caporal. Le soleil arrive dans quelques instants. Oh mon dieu! Oh! Oh! Oh, tu me suis brûlé les fesses! C'est bon, on fonce maintenant. Wouh! J'espère qu'il y a de l'air climatisé dans ton système. Je veux dire dans ton costume. C'est pas le temps d'y rester. Oh non! Oh mon dieu! Oh mon dieu, je vois plus rien. Wouh! Je suis en train de brûler. Il fonctionne en mode auxiliaire. Ça s'active en cas d'urgence. Ouais, ben, j'appelle ça une urgence. On continue. Menez, capitaine. C'était crazy. Je ne vois rien. Ok, écoute-moi. Nice. J'entends quelque chose. Vous entendez ça? What the fuck? Est-ce que c'est un film d'horreur? Putain. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Ouvrez l'œil. Dispersez-vous, on va inspecter les lieux. Oh oh, j'espère que je vais pas voir d'aliens ici. S'il vous plaît, soldats. Les femmes d'abord. Oh, qu'est-ce que t'as vu? Les quartiers. T'as quelque chose? Personne. Plutôt classe pour des mineurs. Chantier de l'UNESA. Meilleur pieux, meilleur paye. Mieux que sur Titan. Plus maintenant. Cet endroit me fout les jetons. T'es pas la seule. Je vais te chercher. Réveille pas les aliens. Oh! Mon dieu, ça fait peur cette partie! Je sens tellement qu'un ennemi, tout dégueulasse, tout déformé, va venir m'attaquer. Prépare-toi, Polo, tu vas te faire sauter dessus. Oh merde. Oh non, c'est l'alien qui les a mangés! Ben, il n'y a pas mangé les humains complètement, mais quand même. Oh! Viens par là, j'ai quelque chose. Ok, j'arrive. Tu crois qu'on lui a tiré dessus? On dirait bien. Ces deux-là avaient pas l'air de bien s'entendre. Peut-être qu'Ethan disait vrai. Parler des robots, les gars. Quoi? C'est leurs robots de garde qui ont fait ça? C'est pas possible, si? Ouvrez l'œil. Mettez vos masques. Ça fait peur! Ethan, j'espère que tu vas rester gentil à longueur de journée avec moi! T'es mon pote, t'es mon frère! Fuck that shit! Coup de pied! Oh, je peux on pas faire le coup de pied! On recharge les survivants à partir de cette position. Avec moi, Reyes. Je suis derrière toi, Fever. Derrière où? Pourquoi c'est Salter qui est en avant? Voyons donc! On est combien d'hommes et... Drone ouvrier. Pas armé! Pourquoi il bouge comme ça? Il y a du sang sur les murs. What the hell? Sancteur, tu es trop courageuse! Encore un. On dirait qu'il a le coup. Oh! Ouais, comment dire? Elle a rien, Cash. Je devrais aller en avant, hein? Laisse-moi passer. Ok, c'est bon. Du courant. Dès que nocturne. Les drones doivent être liés à l'alimentation. Bonne remarque! Je peux plus rien faire. Faut qu'elles soient en avant maintenant. Faut ouvrir cette porte, Reyes. Tu crois qu'il reste du monde à sauver? J'espère bien. Ouais, je suis en train de tuer. On les trouvera. Des robots de garde immobiles. Il y a des courants. Ils s'allument. Non! Non! Bande de robots renégats! Oh, je peux le toucher de là, regardez ça! Tête d'œuf! Ici, je lançais ça! La manouche! Bonjour! Ok, one down!
Une horde de drones! Un désert de robots, renégats! Ce ne sont pas des drones! Oh, 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 ça, ça fait mal, oui! Haha, vous avez vu Kashima? Crazy! Let's go! On peut y aller maintenant! Hey, c'est fou, man! Avec accès au système de vidéosurveillance. Bonne idée, Marine. Les caméras nous aideront à localiser les occupants. Des armes et des munitions. Servez-vous. À tous les plateaux, attention, lumière rouge, droit devant. Ça pourrait être le centre de commandement. Attendez l'ombre. À droite, à gauche. Oh mon dieu. Oh. Oh, ils sont en train de faire des kamikazes. What the hell. Oh, 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 oh. J'ai utilisé le drone qui tire lorsque je tire. Non. Williamson, il devrait m'aider un peu plus. Y a-t-il autre chose? Y'a rien, hein? Ok, on peut y aller. Let's go. Rapidement, quelles sont les chances que ces gens aient survécu? Oh! Ils se cachaient, vous avez vu ça? What the hell? Monte! Vas-y, mon petit polo. On va changer d'arme. Nice! On peut pirater l'entrée pour détecter les virus de l'autre côté. Ouf ça! Restez à couvert! Oh oh oh, c'est pas terminé, je peux pas ouvrir le truc! Les piratages, les pêches! La balle nouche! On va utiliser ceci! What the fuck! Oh non 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 non! Vite! Hé hé! Mon frère! Mon frère! On va changer d'arme, on va prendre ceci, c'est plus efficace! Vous êtes pas sérieux, ok, on va utiliser un autre drone! Voilà. Oh, derrière vous. Sortez derrière vous. Il y a des kamikazes partout, c'est pas incroyable. Bon, grenade. Et grenade. Et encore une autre grenade. Voilà. Est-ce que je peux les pirater? What the fuck? Wouhouhou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas d'armes. Tout ce que je peux faire, c'est autodestruction. Vous avez vu, ce sont des vrais kamikazes. What the fuck? Ok, on va refaire ça encore. Avec lui. Incompatible, t'es pas sérieux. Come on, Polo. Ok, nice. Je vais le contrôler. Ne le tuez pas. Il est à moi. Wow. Une vraie horde de zombies robots. Non, 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 touche pas mon pote, toi. Kimson. Oh, oh mon dieu. Oh, non. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Oh, Omar, désolé. C'est là que tu te cachais, voyons donc, Polo. Eh, je vais dire Omar. Sortir ça. Oh, oh. C'est terminé. Il y a encore d'autres fonds que je peux sortir. Voilà. Ne touche pas, mon ami. Bon, come on. Autodestruction. Vite, vite, vite. Wouh. J'ai tué combien? Je ne sais pas, j'ai tué combien à la mer. Est-ce qu'on peut sortir? Ok, on peut y aller, hein. Venez! Venez! Dépêchez-vous! Vite! Allez, sorteur, dépêche! Est-ce que je peux fermer la porte? Non, je peux plus fermer ça. Mais tout d'un coup, il n'y a plus de robots. Comme par magie. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. C'était vraiment intense, des fois maudits. Vous ne trouvez pas? En tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!